La petite bleue. Bon allez, je recommence parce que la tente rouge. La GoPro elle a affiché peut-être le vent. Tu vois le vent qu'il y a? Hier j'ai fait un montage de mon premier jour dans le Larzac. Et ben c'est trop long. C'est bien, je me suis mouillée la tête, je suis au frais dans mon casque. Je sais pas si je vais trouver à manger là. Pas sûr. Un petit différent avec un papillon. Voilà. Eh, hey, va-t'en papillon. C'est pas écrit en français alors. L'Allemagne. Je vais mettre mon pantalon de pluie. Parce que là, il pleut pour de vrai. À Bruxelles, cheville cassée, 2 mois d'arrêt. 2 mois d'arrêt moto. D'accord. Des tas de belles rencontres. Joli ça. Avec les gosses. Avec les potes. Maison. Coucou. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Suis-moi là où je sais où. Suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi là où niche les bouts. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi là où rien ne presse. Suis-moi. Et v'là que nous y voilà. Spose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Je crois que c'est un raccourci, mais je sais pas. C'est si bon quand on se perd sans ces espèces de repères. En fait, je suis sur les hauts de Kerkeran et je connais pas. C'est si bon quand on se perd. D'être si bon ici bas. Suis-moi. Qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi. Ton sosie, salut. Suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi, en sueur ou en suie, suis-moi, de ci à ceci là. Se peut, c'est si bon quand ça se peut, que qui peut plus peut mieux, mieux que qui, mieux que quoi. On est arrivé. Regarde. Voilà. On va causer tous les deux. Alors, coucou. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas causé tous les deux. C'est parce que je fais plein de projets. Enfin, plein. J'en ai 2 importants. Je vais aller. Je me demande si je mettais le micro, ce serait pas mieux. Alors, je vais mettre le micro parce que je suis un peu loin de la caméra quand même. Naturellement, il est tout en berfili côté. Voilà, j'espère que tu m'entends. J'ai programmé 2 trips. Un avec des potes. On sera 4 motos. 1, 2, 3, 4, 5 motos. 6 personnes. Et on va se balader en Corse une semaine du mois de. Je ne sais pas du tout comment je suis coiffée, je ne me vois pas dans la caméra. Tu m'excuseras, il faut que j'aille chez le coiffeur. Ouais. Bon, il faut que j'aille chez le coiffeur. Et donc, on va passer une semaine en Corse, on va sillonner la Corse pendant une semaine, avec un point d'attache au mois de mai. Les billets sont pris, les billets bateaux sont pris, les cabines réservées, tout est fait.
Et j'ai prévu pour le mois d'août carrément un mois de trip toute seule là. Je vais visiter la Grande-Bretagne. Enfin, une partie de la Grande-Bretagne, parce que le temps que j'y arrive, il va se passer 3-4 jours. Une bonne 10 jours là-bas, quoi, et puis 3-4 jours de retour. Ouais, je vais faire comme ça. J'ai prévu mes étapes déjà. Pas mes couchages encore, mais mes étapes. Bon, on verra après pour les couchages, hein. On se débrouillera. Et voilà, et c'est ça que je vais te faire partager. Ouais, on voit beaucoup le casque, je sais. C'est ça que je vais te faire partager dans les mois qui viennent. Et en attendant, ben, j'attends un peu qu'il fasse un peu plus chaud, parce que bon, là j'ai une chance inouïe. Regarde, je suis au soleil, je suis en gants d'été sur la moto, et même pas avec le surblouson, et on est un des derniers jours de janvier, hein. Mais il a fait très froid durant la semaine et la semaine d'avant. Avant, j'étais en Belgique, comme tu as pu le voir sur les shorts. Mon fils, on commence à être bien connu en tant que bassiste et en tant que compositeur. Et ça y est, ses compos sont sur scène. Il a que des bons retours, des retours magnifiques. C'est trop trop chouette, je suis trop fière de lui, trop trop fière. Et puis bon, bah, ça le rend heureux parce que c'est ce pourquoi il est fait. Il fait ce pourquoi il est fait, c'est magnifique. Donc ouais, je te le dis, je te le répète, va au bout de tes rêves, quel que soit l'âge que tu as. Va au bout de tes rêves, regarde, j'ai appris à faire la moto il y a 3 ans. Donc oui, va au bout de tes rêves. Et là, je te disais, j'attends donc qu'il fasse un petit peu meilleur à moto, pour reprendre mes petites balades. Je vais peut-être faire un petit peu des randos aussi, parce que là j'ai complètement laissé tomber, j'avais vraiment trop froid le matin à moto. Et il faut partir le matin parce que je vais assez loin pour trouver des balades. Dans le coin, je les connais presque toutes. J'ai pas envie de me rabâcher et de revoir des trucs que j'ai déjà sillonnés, quoi. Même si c'est beau, j'aime bien de temps en temps refaire des balades, mais là j'ai envie de nouveau, j'ai envie de trucs, j'ai envie d'aller dans le Colorado provençal, tu vois, faire des trucs comme ça. Bon, il fait encore pas mal frais là-bas. Et puis bon, il y a des chutes de neige dans le Haut Var, les routes sont verglacées. Je perds mon pneu arrière régulièrement dans les gorges d'Olioul qui sont mouillées tout le temps. Les gorges d'Olioul sont devenues vachement dangereuses, je trouve. Hein. C'est mon appréciation personnelle. Hier, dans un virage, tout d'un coup, la moto s'est mise à se tortillonner de l'avant et de l'arrière, comme ça. Je sais pas. Alors, j'ai tout lâché, si tu veux. Je me suis fait le plus légère possible. J'ai laissé faire la moto. J'ai pas freiné rien. J'ai laissé faire la moto. J'ai laissé reprendre sa trajectoire et ça s'est bien passé. Je suis pas tombée. Je sais pas comment je suis pas tombée. Vraiment, hein, vraiment. Mais génial. J'ai adoré. Il faut être un peu fou pour faire de la moto. C'est la première fois que ça m'arrivait à tel point. Il m'est arrivé de guidonner de l'avant quand je freine fort. Ces freins de merde là. Mais jamais ça. Jamais la moto qui se tortille dans tous les sens. Tu sais pas ce qu'elle va devenir. Ouais, voilà. Donc bon, je vais éviter quand même. Hein. C'est pas. Ouais, on va éviter. Là pour le moment, il faut rester au bord de l'eau, quoi. Là où il fait le plus chaud et le plus beau. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, te prévenir. Si tu es dans le coin, sur ma route, donc je pars de Toulon, hein, pour les deux trajets, pour les deux trips. Si tu es sur ma route, fais-moi signe, je m'arrêterai volontiers. Peut-être moins volontiers avec les potes, parce que y aura des trucs de prévu, des escales de prévu. Je serai pas libre comme quand je suis toute seule. Mais quand je vais aller en Angleterre, je vais traverser la France, une bonne partie de la France, pour aller à Cherbourg, par là-bas. C'était sur ma route, fais-moi signe, c'est au mois d'août. Hein. J'ai pas mes dates encore, je te dirai ça. Ça va dépendre de mon fiston qui va habiter la maison pendant ce temps. Voilà, je te fais un gros bisou. Elle est pas mal, hein? Ouais. Chouette petite moto. Bon, j'ai quand même un peu envie de changer. J'ai envie de dessiner une autre moto. Plus grosse. Peut-être passer mon permis de C4. À savoir. C'est joli ici, regarde. Bon, pour le permis, il me faut des sous. Hein. Et avec les voyages que j'ai prévus, je ne vais pas avoir de sous.
Donc c'est les voyages, les trips en priorité. Et beaucoup d'oiseaux. Je suis du côté de Bormes-Mimosa, Cabasson. Je suis à côté de la plage de Cabasson. C'est le parking de la plage de Cabasson. Il n'y a pas encore vraiment de mimosa sur la route. J'ai vu qu'il y avait, ça commençait à fleurir. J'espérais en trouver un peu, mais non. Il faut attendre mi-février, quoi. Il avait froid, hein. C'est pour ça aussi. Ça a dû regeler sur les pousses, et malheureusement. Il n'y a pas que moi qui suis à moto, j'entends. Joli bruit. Si bon quand on split, de rire que la pluie. J'ai toujours peur avec les valises de pas passer. Non mais là je passe. Elle aussi de joie, spale. C'est si bon quand on se parle. Si je vais quand même aller voir toute direction, ok. S'il y a un peu de mimosa. Si on vit. C'est une route que je connais pas du tout. Je vais jamais par là. Je crois que la plage de Cabasson, j'y suis allée une fois il y a 2 ans pour me baigner. Finalement, j'ai bifurqué sur la Maule. Et pif paf. Ça grimpe. Je rejoins la côte par là. Balade à moto, j'ai été privée là. Par le mauvais temps et par mes escapades à Bruxelles. Tu vois la mer? C'est beau, hein? Peu de mimosa, tu vois, on voit les prémices quand même, c'est joli. Le petit village de Bormes. Les motos, tu vois là, quand ce sera la pleine saison des mimosas, ça va dégringoler sur la route. Tu passes dessous comme dans un tunnel d'or, tu sais, c'est chouette. Ah, je vais mettre le blouson. C'est mieux, c'est mieux. Alors, je vais y arriver à mettre ça sans enlever le casque. Ça te dit un petit thé avec du pain grillé et du beurre? C'est une bonne idée, non? Bon, pas avant 1 heure, hein. Et oui, à l'ombre, je suis complètement gelée. C'est bien, c'est l'hiver. Il faut de l'hiver, c'est très bien. Quand même, les pare-mains, qu'est-ce que ça protège? Parce que je suis avec mes gants d'été. Alors bon, j'ai frayé au doigt, mais j'ai pas de d'onglet. Donc les pare-mains plus des gants chauffants, ça doit être le pied. Je suis contente d'être rentrée parce que je me caille. Hein. Il fait quand même bien froid. À rouler. Comme promis, on se fait un petit thé. Ça va être chaud bouillant. Ça, c'est pour mes tripes. Assiette de grand-mère. Il fait pas chaud chez moi. J'avais arrêté le chauffage ouvert les fenêtres.